Oui, bien sûr, le recteur m'a chaleureusement accueilli pour différentes missions que je vais pouvoir effectuer ici cette semaine et également l'année prochaine, notamment dans la faculté d'architecture de l'UNILOU, qui est donc un partenaire de notre faculté d'architecture à l'Université libre de Bruxelles. Nous allons cette semaine donner des cours d'initiation à la recherche scientifique avec le professeur Florence. Le recteur a beaucoup insisté sur l'importance de l'esprit scientifique, de l'objectivité, de la recherche après avoir fait ses études à l'université. Et donc, on commence avec les licences 2 déjà pour les préparer à leurs travaux de fin de cycle et puis éventuellement à faire des thèses encore par ailleurs. Alors, bientôt, nous aurons des candidats au doctorat, évidemment, dans la faculté d'architecture. Notamment parce que nous allons créer et mettre en route un premier master de pédagogie de l'architecture pour avoir justement des enseignants de haut niveau formés à enseigner à l'université, ce que le recteur nous a encore rappelé. Le recteur est un homme de science aussi et donc nous sommes toujours intéressés de pouvoir échanger. Ici, le propos portait particulièrement sur la connaissance scientifique et une forme de décentrement qu'on pourrait avoir par rapport à cette connaissance scientifique pour ne pas l'importer d'Europe ici sans la contextualiser en fait par rapport aux exigences, aux ressources et aux compétences qu'il y a ici sur le terrain de Lubumbashi. L'UNILOU, c'est le partenaire privilégié de l'Université libre de Bruxelles ici au Congo. Nous n'avons que deux partenaires privilégiés en Afrique. Et c'est le seul endroit ici à Lubumbashi où nous avons un bureau de liaison de l'Université libre de Bruxelles auprès de l'UNILOU, dont vous avez la directrice qui est là et qui travaille évidemment étroitement avec le doyen de la faculté d'architecture ici.